Tchéran, shape of you. Comment ça va tout le monde? J'espère que vous allez bien. Qu'est-ce que je suis content, mesdames et messieurs, je dis ça à chaque fois. D'habitude c'est faux, là c'est vrai. Putain, qu'est-ce que je suis heureux de vous retrouver pour cette vidéo. Ça fait des mois qu'on est dessus, d'accord? Mais vous vous doutez bien que pour une vidéo de cette taille, pour une vidéo de cette ampleur, pour une vidéo de ce gabarit, mesdames et messieurs, il fallait qu'on soit suivi et accompagné par quelqu'un et par quelqu'un de taille. Et bien évidemment... Sid, il se passe quoi? Il se passe quoi? Chris, donc... T'as rien, 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 prends ça. C'est quoi? C'est du fromage français de vache, ça va te sustenter là. Y'a pas wesh. Bon, vous l'aurez compris, c'est un truc avec les fromages. Cette vidéo, que dis-je, cette aventure est en partenariat avec la filière laitière française et la Commission européenne. Ça c'est quand même stylé, ça. Comme on dit souvent, le fromage, c'est bon, ça mère quand même. C'est ça qu'on dit, non? C'est pour vous proposer des petits rendez-vous fromage à votre goût. C'est pas mal, il n'y a pas de mal à manger du fromage. En plus, pourquoi pas entre amis. Nous, avant chaque gage, on a fait nos petits rendez-vous fromage. D'accord, on mangeait un peu de fromage entre nous pour se réconforter, se donner un peu de force. Et parce que sa mère, c'est bon, ça, comme on avait dit tout à l'heure. Sa mère, c'est bon le fromage quand même. Hein. Donc merci encore infiniment à la filière laitière française et à la Commission européenne pour ça. Je vous laisse maintenant profiter pleinement, savourer cette vidéo. Installez-vous, c'est comme un film, mais le meilleur film que vous allez voir de votre vie. J'abuse pas. C'est clairement la meilleure vidéo du YouTube français. C'est la meilleure, je le dis, cash, meilleure YouTube vidéo du YouTube français. Et que celui qui dit le contraire se lève. Personne. Personne se lève. Jusqu'à maintenant, personne. Et bien évidemment, manger du fromage. Bonjour à tous, très très content de vous retrouver pour une vidéo of the year. On est au Nine Club, c'est la meilleure boîte de Toulouse. On est accueillis aujourd'hui gentiment par le Nine Club pour tourner ce deuxième épisode de la roulette russe à gages. Alors pour ceux qui connaissent pas la roulette russe à gages, bien évidemment vous avez la première vidéo ici. Alors la roulette russe à gages, qu'est-ce que c'est? On a un pistolet, un petit nerf, une seule balle dedans. Celui qui se mange la balle va devoir faire le gage en question qui sera dans la première partie. C'était dans une boîte de gages soft, une boîte de gages hard. Là on a que des hard, dans le bob. C'est le bob à gage. Bien évidemment, je ne suis pas seul pour ça. Je suis avec mes fidèles accompagnateurs, mes fidèles acolytes, mes fidèles frérots. Sauf un que je considère moins que les autres. Je vous laisse deviner c'est lequel. On l'accueille en premier. Benji. Alors là, frérot, tu te débrouilles. Et l'angoisse. Voilà, Benji encore en... J'ai cru que t'étais tombé. Trop d'énergie, trop vite. C'est juste glacé. Tu as l'impression que je suis mine une blague? C'est pas une personne, mais... Benji, très content pour toi ou pas de participer à ce deuxième volet? Stressé, en vrai, je suis très stressé. Attention, on ne connaît pas les gages, d'accord? C'est le célèbre Maître Moyard qui s'est occupé des gages, a.k.a. Marceau, bien évidemment, que vous allez découvrir après. Benji, est-ce que t'es prêt à tout? Je suis prêt à tout, mais... Non, tu peux pas dire ça avec ce ton. Alors, je suis prêt à tout? Non. T'es prêt à tout, oui ou non? Oui. Je m'engage, enfin... j'assume mes responsabilités. Incroyable. Le deuxième qui va m'accueillir est donc le troisième participant de cette vidéo parce que la roulette russe à gage, ça se fait à trois. Mesdames et messieurs, accueillez s'il vous plaît Sacha. Bonsoir. J'ai pas envie de la faire cette vidéo. Le mood est niqué. Alors Sacha, chaud pour cette vidéo? Non, chaud pour cette deuxième partie. 0% chaud. J'ai peur. T'as un gage ça déjà? Non, c'est sûrement moi. Je vais vous demander de rejoindre vos places mutuelles et je vais vous ramener quelque chose. Je pense que ça va vous parler. Y'a Maître Moyard? Y'a Maître Moyard dedans? Y'a pire. Y'a quoi? Oh! My God! Oh non, pas ça! On peut lui parler deux secondes? Vas-y, dis-lui ce que tu veux. Sois clément avec moi, mets-moi des gages gentils, je t'en supplie. J'ai confiance en toi. Dis-lui un petit mot. Nique la mère à Sacha. Ouais. Les gars, vous savez ce que ça veut dire? Oh non, il est là les gars. Messieurs, le jeu commence. Non. J'ai peur premier degré. Arrête.
Enchanté, maître. Très content de vous revoir sur cette vidéo. Moi, il manque, maître. Monsieur Lorana. Également, un suédois. Vous avez c'est super. Non. Allez, vous perdre, messieurs. Je me chie dessus. Alors, bah oui. En théorie, j'ai eu peur de rien, mais j'ai peur de toi. De vous. De lui. Vous êtes. Pourquoi? Ah, t'es pourquoi faux. Je suis mignon? Parce que t'es complètement malade, frère. T'es un vrai psychopathe. Je te connais depuis un moment. T'es... T'as enlevé ton piercing? J'ai enlevé mon piercing. Oh non. Normalement c'était 3 ans que tu devais le garder. On n'avait jamais on a dit ça. Ah, je croyais. Alors il y a 7 gages. Mais dans le premier épisode, il y avait des gages un peu faciles. Ce qu'a pris Sacha. La garante c'est facile pour tout le monde là ici. C'est très simple. Et là il y a que des gages chargés. T'appelles quoi qu'à part gages chargés? Exemple. Est-ce que t'as un exemple qui n'est pas dans le bob? Genre une équivalence? La mort. Non. Bah écoutez Maître Homer, je vous laisse lancer la partie. Let's go les gars. On va tirer le gage d'abord. Oui. Le gage. Tu peux me taire ça? C'est moi qui choisis? Non, c'est moi qui prends. Maître, il faut prendre quelque chose en compte. Je suis blessé moi par contre. C'est pas sans souci. Je voulais pas participer à tous les gages. Benji, tout a été prévu pour ça. T'inquiète pas. Entre le moment où on tourne ça et entre le moment où on tournera les gages, t'auras plus de plâtre. Merde. Tu vas pas nous la frère, tu vas pas y échapper. Alors. Manger du poisson. Sustransmus. Sustroming. C'est vous qui avez préparé les gages, monsieur Maître Moya? C'est quoi du poisson? Monsieur Maître Moya. Ah, c'est le poisson qui pue c'est là? C'est du poisson norvégien qui est horrible. Oh non. Vous êtes prêts? Vas-y. Mesdames et messieurs, première balle. Ah non, c'est pas possible. C'est sûr que c'était le plus simple. Tu faisais pas? C'est pas possible. Attends. C'est sûr que c'était le plus simple. Oh non. Ah, ça me dégoûte, tu me dégoûtes déjà. Putain, j'ai envie de vomir déjà. C'est bien, c'est dégueulasse, tombe sur le mec dégueulasse. C'est incroyable. Pour l'instant, pendant 6 mois, je pourrais embrasser aucune meuf. C'est déjà le cas après. Hein. Allons manger ce poisson. Spinstroming. C'est ça? C'est plus de ça. Hein. Ouais, c'est ça. Let's go. Yam. Bon, on est en face du poisson. Et là, il vient tout droit de Norvège. Poisson Sumstroming. Benji, ton défi est de manger ce poisson. Non pas de le sentir, comme toute la Terre a fait, mais de le manger, de l'ingérer. Pourquoi je t'explique que la boîte a fait 400 grammes? Jamais, tu dois prendre une fourchette. J'ai jamais vu personne bouffer ça, en tout cas. Ouais, mais en fait, genre sur internet, ou à moins que je me trompe, si je me suis trompé, ne me le dites surtout pas, mais j'ai jamais vu quelqu'un manger, vraiment ingérer le poisson. Est-ce que le fait de bouffer ça, ça va faire de moi la personne la plus dégueu du web? T'as pas la plus dégueu. Courageuse. La plus courageuse, oui. Et dégueu, si. Et dégueu, tu te sûr que c'est pas encore comme ça. Avant ça, bien évidemment, un petit bout de fromage pour se mettre dans le jeu, dans le vin, pour un petit bout de réconfort. Tu veux le cas, dis-moi. Là, c'est vraiment grand prince, là, je pense que tu veux. Tâche un petit peu. Moi, je veux un petit bout. Allez, tiens, oh, merci. Tac. Moi, je prends celui-là. Du fromage français, du fromage de vache, de vache. Exactement. Vous vous régalez les garçons? J'adore. Attends, parce que je l'ouvre tout seul et vous vous barrez, c'est ça? Mais on va faire en fonction. En fait, nous on est là, je peux te garantir qu'on fera le max pour rester avec toi. Si c'est trop insurmontable, sache qu'on s'en ira instant. Un quoi? Instant. 5 4 3 2 1, let's go. Vas-y, Marcel, il a vomi. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai l'impression que ça va jamais partir. Ah non, j'allais partir, frère. Vas-y, comment tu vas faire pour manger un petit bout là? Franchement, là, j'ai aucune idée. Je sais même pas si ça va être possible, frère.
On a dit le warrior que je connais, frère, il est où? Est-ce que je peux au moins faire ça? Pour le manger? Oui, si tu veux, si tant que je le mange, c'est bon. Fais tout ce que tu veux. Mais il faut que tu le manges, tu t'y prends comme tu veux, faut juste que t'arrives à le manger. Mais en fait, c'est une odeur de merde, un peu, et de pisse à mélanger. De pied, ça sent le chien. Ça sent plein de trucs en même temps, c'est horrible. J'ai l'impression que je suis en train de déminer une bombe. Là, quand tu vas le mettre dans la bouche, je sais pas comment ça va se passer pour toi, frérot. Ça m'intéresse de voir visuellement à quoi il ressemble. Oh, on dirait du cerveau. Allez, bah, toi, réfléchis après. Attends, maître, est-ce que ça passe, ça? Maître, ça passe, ça. Tu as un tout petit morceau encore, ça, Benji. Benji, fils de pute. Attends. S'il faut que je prenne... Ça passe, frérot, ça passe. Allez, Des drama queen, frère. Surtout ne le mâche pas, gobe-le en vrai. Ah ouais, faut pas que tu le mâches. Gobe-le. Comment cacher? Let's go. Allez, mon Ben. Let's go. 3, 2, 1, let's go. Oui, ah, oui, oui. Avale-le, frérot. Prends-le et coupe du derrière. Vas-y, on va jouer. Prends le jus. Let's go, on voit tout. Attends, tu veux de l'eau, du pain. Ramène du pain d'hamburger. C'est bon. Fais-moi, ouvre la bouche. C'est validé. Oui, frère. Putain, mais frère, je sais pas comment. Tiens, comment ça? Tu pues le poisson, par contre. Votre mère, il faut le signe validé là. Ah, tu peux la mort là, par contre. Ouais, attendez. Validé, ma mère. Alors, t'as peur de tout. Oh, c'est, vraiment, ça tombe très bien. Celui-là, j'aime bien. Ouais. Arrête de bouffer mon doigt, c'est fou. Qu'est-ce que tu fais? J'essaie de. Se raser le crâne à blanc. Au rasoir? Ouais, j'ai failli le faire pour le premier, je me suis dit c'est un peu hardcore pour le premier, du coup il tombe maintenant. Genre en mode balle de ping-pong. Les deux chauves en sueur. Ouais, dans tous les cas, dans pas longtemps c'était sans rasoir ou pas, ça allait tomber. Hein. Ça vous fait peur vous? Bah en soi non, parce que ça repousse, mais v'là la tête quoi. Ah, v'là la tête que tu tapes. La tête que tu te bouffes. Ok. Oh ah. C'est bon? Oui. Putain, Marceau, fais-moi le cul, non, rien à voir, excuse-moi. Oh là là, mais le gros bitre, ça. Oh, mais là, ça va être pour ma pomme, là. Oh, j'ai peur. Premier degré. Le Jigglus Squad. Il va être dégueulasse. Oh non. C'est la boule à Z. Oh non, mais je veux. Tu vas être horrible. Je voulais pas que ça tombe sur toi, je voulais que ça tombe sur Sacha, le chauve. Oh non, mais je veux. Fils de pute, t'es dégradé, le touche. Ok, bon, on y est. Les frères, vous vous chargez de ma petite tête. Franchement, ça va me manquer. Ouais, ça faisait vraiment un bon 4 ans là que. Il y avait. Là. Let's go. Non, mais attends, vas-y. Attends, j'ai des épices un peu. Mais tu vas attends, mais tu vas couper le crâne là, frère. Mais tu vas me couper de putain d'oreille, mes oreilles. Bouge pas. Là, ça y est, là. Attends. Quoi? On a un souci de... Enlève. Non, c'est quoi? C'est rasé. Mais t'as plein de croûtes. Non, mais tu fais du psoriasis. Tu fais du psoriasis. Oh, mais tu fais quelques tas, tu fais du psoriasis. Ouais, non, mais oui, c'est une vraie maladie. Mais vous êtes sérieux de réagir comme ça? Vous m'avez fait peur. Ben, moi, vous m'avez vexé. Mais tu la putain de ta mère avec ton ciseau. Je suis coiffé. Toi? Ça peut bien ou pas, la tête?
Ça veut dire avance en général. Quand tu es Alaska. Si, ça va, c'est stylé. C'est stylé ? Ça va être stylé. Oh, j'ai un tout petit crâne. Tiens, ça j'ai un tout petit crâne. Non, on dirait un petit elfe. J'ai un tout petit crâne et des jambes oreilles. Mais non, ça fait une tête comme ça. Benji fait. Ah ! Benji, comment tu fais ? Benji, mais comment c'est tu fais ? C'est pas comme ça qu'on fait ? Oh, mais si jamais rien fait ça. J'ai jamais fait. Mais tu t'es bien rasé. On fait pas comme ça ? Mais ça va aussi. Ça va, Sid ? Comment t'as fait pour planter la tondeuse dans le crâne ? Benji, comment stylo ? Benji ! Non, pas comme ça ! Comme ça, tu fais tac. Comme ça ? Là, tu regardes les dents vers le haut, sans s'inverser du poil, tu rases. Mais tu veux retrouver une coupe comme ça là. Mais non. Mais tu comprends rien. Mais tu veux qu'on t'attrape toi à 3 hein. Entre Benji et moi on va être dans American History. Non mais frère, je veux j'arrête hein. Ça me dégoûte frère, regarde. Mais c'est vexant. Ça me dégoûte. Frère, c'est rien, c'est de la peau, c'est de la peau morte. Ah c'est quoi, c'est de la peau morte. En gros c'est de la peau morte quoi. Parce qu'en fait ma vie est remplie de stress et d'anxiété. Ça arrive à plein de gens ça. Si. Non mais je sais qu'on fait pareil, c'est le stress et tous ces trucs là. Là, ça va essayer d'être le plus autour d'un arbre possible. Non, mais merci. T'as-tu ton oreille, tu vois ? Oh, ça me fait des têtes toutes plates, bizarre. Là, ça va être fort, ça va être fort. On dirait une pichinoise. Ça y est, c'est fini ? Vous en pensez quoi? Ça va bien. C'est vrai? Ouais. Incroyable. Ah ouais, là je suis pas à l'aise moi avec moi-même là. J'avoue que tu veux flipper. Ah ouais, là non, ça a été chelou. Bon ben. Maître. C'est validé. Incroyable! Yes! Bravo! Oh putain, mais non, vas-y. Mais t'as fait pareil que moi. Aouh! Hey, oh! On est où là? C'était moi tous le meilleur frontus de votre vie. Sérieux? Vas-y. Oh là là. Ça m'a fait sortir de la morphe carrément. Les gars, prochain gage. Let's go. Vas-y. Là. Oh non. Allez, c'est quoi, allez. Vous aimez le cirque? Ouais. Dans ce cas-là, ça s'annonce bien. J'ai déjà, ouais, j'aime bien, j'ai déjà fait dans l'ancien. Vous devez être clown pendant 24 heures. Ça va, c'est bien. Ça? Non. Vous connaissez les lanceurs de couteaux? Vous serez la cible. Oh non. Attends, pose une vidéo. T'as mis un gage où on doit se faire jeter des couteaux en pleine gueule. Ouais. Mais c'est un professionnel, c'est son métier. Y'a pas de risque. C'est son métier. Bon bah vas-y. Bah le go alors. Bah vas-y, charge-moi le Splinter Gun. Là on est en train de jouer pour ce jeu. Attends, on va jeter des couteaux dans la tête là. C'est abusé. Oui, c'est abusé. En premier degré, objectif, abusé. Le vidage dirait incroyable. Oui, tu commences. Je te mange tout à ta gueule. Ah ça, tu sais qu'il me fait peur. ça me fait flipper. Je l'ai chargé, excuse. Ah oh oui, oh oui, oui, c'est pas moi. Incroyable. Il rigole jaune, il est pas content. Il est dégoûté. Réaction? T'es content ou pas? Est-ce que après je peux faire une tournée avec le cirque et tout genre dans... Tu peux. Oh putain, il est chiant. Genre la taille des couteaux c'est quoi? Mais Benji, on verra là-bas. Non. C'est un petit sultan. Mais ça c'est pas comme ça. Bon, ok, on est arrivé à Royan. Et allez, on vient d'arriver chez le lanceur de couteaux. Là ça va y aller. Il s'appelle lanceur d'âme. C'est comme l'aristocratie, hein, de l'âme. Ah oui, de l'âme. Ah, ouais. L'âme écrit A-M-E, quoi. Enchanté. Enchanté, les gars. Comment, Maxime, c'est ça? Maxime. Maxime, enchanté. C'est ton frérot pour aujourd'hui? Tiens, regarde ce que je t'ai préparé. 240 grammes. Ça perd fort une plaque de métal ou pas? Ah ouais, j'ai un panneau là-bas, tu vas voir, un panneau de chantier, il y a plein de trous. Je vais te montrer. Non, je rigole pas en plus, j'ai des vidéos où je vais pas se faire de panneau de chantier. Donc... C'est vrai? Ouais. Alors, du lancer, je sais plus, j'ai dû lancer mes premiers couteaux à 13-14 ans, mais sérieusement, ça fait 6-7 ans. Et maintenant j'ai envie, je forge les couteaux. Et tu jettes souvent sur des cibles des gens et tout? Ah non, jamais. Moi je suis un lanceur sportif, parce que c'est une discipline sportive avec des championnats de France, etc. Ok, donc Benji, tu dépuçais le maximum. Tu m'avais dit qu'il avait déjà lancé... Ouais, sur des cibles. Mais aujourd'hui, il considère que t'es une cible. Je suis super bien préparé, donc il y a aucun... Il y a un petit Mais il y a toujours... Il y a toujours...
Il a un petit stress. Il a un petit stress. Tu peux rater avec la pression. Tu te dis, non, c'est impossible. Vous allez voir, je vais vous expliquer la sécurité, il y a une marge et tout, c'est impossible qu'il y ait un problème. Bien sûr, bien évidemment, vous en doutez, c'est quand même fait par un pro, c'est son métier de faire ça, etc. On n'est pas venu voir n'importe qui. Je fais confiance. Mais évidemment. Donc tout est encadré par des professionnels. Regardez mes yeux, si tu me plantes n'importe à quelle partie du corps, je m'en fous. Mais juste les yeux, je veux juste les garder. Et du mal, ça va. Pourquoi les yeux? Je vais vous montrer. C'est pour voir. Ah oui, d'accord. Okay. Il y a aussi le fromage. Il y a le fromage. Avant de lancer, petit bout de fromage pour être sécure. Pour être bien réconforté, petit bout de fromage. Tu veux un petit bout de fromage dès maintenant? Oui, je veux. Attends, envoie un bout de fromage. Avec ce couteau? Non, ça va pas. Là, c'est le dernier fromage que je mange demain. Là, c'est fromage pour toi à volonté aujourd'hui. Tu manges tout ce que tu veux. Ça réconforte. Au premier degré, il est incroyable. Il est bon. Fromage français. Envoie un petit bout. Est-ce que tu nous montrerais pas un peu ce que tu sais faire? Alors, on peut faire avant d'envoyer notre ami à la morgue. Genre par exemple, tu pourrais là, sans problème, la mettre au milieu. Ah ouais, y'a aucun souci. Non, je déconne. Ah ouais. Maître Mouer, c'est votre dégage ça. Vous vous rendez compte de là où... Je vais le buter ce mec. je vais me le faire de toute façon. Les normes de sécurité peut-être. Explique-nous tout, dis-nous tout. Viens, écoute quand même. Je fuis, c'est sécure, ça. Va à la planche. Alors, je vais changer les planches parce que là, c'est quand tu vas te piquer le dos. Moi, je ne vais viser que cette planche. D'accord. Ici. Donc, je me suis entraîné des mois sur cette planche. Ça ne sort jamais de la planche. Mais toi, on va te mettre ici. Ça correspond à peu près aux distances de cirque. C'est-à-dire que, vous voyez, il y a ça. Donc, même ce qui n'arrive jamais, si je m'éloigne un peu et que je tape là, ça n'arrive jamais. Il reste ça. Et même si je sors, il y a encore tout ça. Donc vraiment, il y a très peu de chances normalement que... Il n'y a aucune chance, c'est pas guettable. Genre vraiment, il y a 3% de chance quoi. Non, je pense pas. Est-ce qu'on peut essayer de lancer des couteaux, nous? Ne le pince pas comme ça, prends-le vraiment comme... voilà. Ok. Et là, jette-le, on va voir comment il arrive. Alors, c'est pas grave, vas-y. Je crois que c'était pas trop mal. Encore? Wesh, on est où là? C'est son morceau, il va être chaud. Marceau, il est bon. Bon, je retire tout ce que j'ai dit. Allez, coupe. Mais calme-toi. Ouais. Oh, oui. Nique ta mère, non, ça y est, frère. Non, ça y est, Maxime, tire. Ça y est, on est où, là? Benji, en place, let's go. Benji, prends un petit bout de fromage quand même avant pour commencer. Mais croc. Ça fait du bien, tu te sens mieux? Ça va mieux. Courage, frère. Bouge. Non. Il peut plus parler. Bouge pas, parce que j'ai ma mouette. Ça, c'est le couteau que je vais lancer, c'est la première fois de ma vie qu'il y a un mec devant moi. Oh. Voilà, c'est pour ça, tu vois, c'est le stress, il a mal tourné. Attends, pause, t'as fait exprès sur le premier couteau? De le rater? Ouais. Non. Mais tu sais, c'est pas un problème de précision, c'est qu'il a trop tourné, donc c'est aucun souci. Y'a pas de problème. Ouais. Qu'il se plante pas, c'est presque plus sécure, tu vois, par là. Ouais, grave. Ah, allez, non, toi. Il envoie des high kicks en pleine gueule. Bah, il a bougé, je lui ai dit de pas bouger, il a bougé. Bouge pas Benji, bouge pas, il va te frapper. Bouge pas. Je suis pas un sac de patates, Max. Incroyable. J'étais fait brûler sur le premier, il a... Le premier, il a rassuré personne. Ouais. Le premier, j'étais deux doigts de faire une fin de tournage. Je vais pas te toucher. Sans te mentir. Allez Max. Alors normalement, ça devrait percer le ballon. Trouve-moi la main, Max. Laisse-moi juste le pouce. Pour les joysticks sur la plaie. Sur la plaie. Wow. Le joystick sur la plaie. Ça, c'est par contre, c'est pire que... Ah ouais, mais attends, tu peux le tenir dans la bouche, le ballon peut-être. Ouais, alors ça se fait aussi, ouais. Let's go. Non, mais non. Si, ça se fait aussi, c'est pareil. Ah,
Vous êtes sérieux, les gars? Là, vous prenez la responsabilité que si jamais il m'arrive un truc au visage, c'est à cause de vous. Ouais. Vous êtes sûr? Si vous venez, mais si vous êtes sûr, moi je m'en fous. Mais par contre, après, vous allez regretter toute votre vie. Non, si c'est pas ça, truc. Ouais, c'est bon, ouais. Moi, c'est bon. Pour ma part, oui. Pour ma part, c'est bon. 100% c'est pour toi. Oui, 100%. Si il m'arrive un truc, je m'en fous. Tant que je garde mes deux yeux, je m'en fous. Si tu culpabilises, c'est pas ma faute. Let's go. Benji, pardon. Check, check. Incroyable, Max. Incroyable. Faut faire ça au réveil, puis ça te réveille. Pardon, 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 ça c'est moi. Valide. Allez. Monsieur Benjamin. Défi Rius. Merci. Validé. Incroyable. Bravo. Ça va, tout va bien dans mes tournages, je pense, c'est sûr. Max, incroyable. Trop fort. Merci trop les gars. Max, il a une chaîne YouTube, un évidemment, qui s'affiche là, qui est dans la description. Avec une boutique, tout ce que vous avez vu, c'est à vendre. Ça va, Benjo? Ouais, ça va. Tu veux en tirer hein? Avec plaisir, maître. C'est okay. Énorme. Non, mais dégueule hein, sur la, dans la boîte, vraiment. C'est le stress. C'est l'un de mes prefs. Mais bon, des tarages aussi, frère, tout le temps un de tes prefs, ma gueule. Un marteau. Tu peux me le lire, s'il te plaît, pour moi? Nager avec des requins marteaux. Quoi? Attends, c'est une vanne? Il y a vraiment. Fais voir, fais voir. Mais attends, mais frérot, j'ai tout organisé, c'est faisable. Mais frère, mais t'es malade. Moi, c'est fin, je me barre de la vidéo. Mais on va où là, frère? C'est possible, c'est pas dangereux ça? Bah, non, non, t'as géré le truc, t'as vu? Oui, oui. Okay. Nager avec des requins, mais encadrer tout ça avec un pro et tout. Mais oui, t'inquiète. Non, y a pas de risque, vous allez pas vous faire bouffer quoi. Mais. C'est petit côté excitant quand même. C'est stylé flippé, genre. Voilà, ça c'est stylé. Ça, let's go, voir ça, t'es trop chaud. Let's go. Je mets recharge plus aussi. Allez. Allez. Jouez vite là. Jouez vite. Nemo. Non, non, non. Sous l'océan. Ah, ça va être bon, c'est sûr, ça va être bon. Yes. Ah. Bon bah. Go to Gang de Rock. Let's go. Ok, incroyable. Maître. On est où là? On est à l'aquarium de Barcelone. On est à l'aquarium de Barcelone, mesdames et messieurs. Sacha va nager aujourd'hui avec des requins. Sacha, chaud? Ça va en vrai, c'est un peu excitant mais ça fait un peu peur. T'as un peu peur? T'as peur de quoi? Je sais pas, des requins. C'est stylé quand même, non? Oui, ça reste stylé. Des requins, ouais, du coup ça se tient jusqu'à. C'est plus, celui ça va être un beluga au milieu des requins. Oh. Si, c'était marrant quand même. Un beluga. Je viens de la faire. Hein. Oh, ça y est? C'est parti? Oh, incroyable! En fait, c'est incroyable, j'aurais trop kiffé faire ce gage. J'ai vraiment pris des gages que chiant, moi. C'est mal, gros. Oh, il y a une pieuvre. Oh, t'as vu, un poisson, là. Je m'échappe. Les vidéos, elles prennent trop d'ampleur, j'assume plus. Oh, il a pris la grande zone, là. Il allait la chercher loin. Les étoiles. Ok. Triple XL. Triple. Non, 4, il y en a un. X, ah ouais, 4 XL. Ah, d'abord, je me mets du nu. Non, t'inquiète. Je vais me barre. Non, t'inquiète. Attention. Ah, je vais me prendre un petit peu. Ça te réconforte avant d'y aller? Mange bon, pas mes doigts, frérot. Mes doigts, ils sortent pas de la vache. Enfin, s'ils sortent de la vache, ils vont avoir un autre goût, quoi. Prenez du fromage en tant qu'il y en a encore. Attention. Ça va? Un peu de fromage. Il y a des poils qui rejoignent tes pecs à tes aisselles. Oh, Benji, toi aussi. Oh, ouais. Là, ça, par contre, j'ai pas. Moi. Dis, toi, ça rejoint ta nuque à ta yette. T'as beau gosse, hein. Attends. Elle est où, frère? Oh, t'abuses. Ah, non, il est là, regarde, une petite bosse. Donne-toi à fond, frère. Et oublie pas. Je peux le faire, frère. Là, vraiment, j'ai pas. Ça va, là. J'étais capable, frère, de le faire. Là, ça va, j'ai pas très peur. C'est pas grave, et un peu peur, t'es sécure. Là, c'est trop, t'en fais un peu. D'accord, t'es sécure. Ok, merci. C'est, tout est. Okay, c'est vraiment possible. Ok, merci. Frère, va, tu domptes de l'eau. Poséidon. Poséidon, ça va. C'est bon? Ouais. Frère, vraiment, c'est pas grave. Frère, ça va le faire. Ça va aller. Frère, ça va le faire. Ça va le faire. Allez, vas-y, cours maintenant. Un peu même. Vol. Oh, c'est trop mignon. Oh non, les petites joues. Oh, tu vois ce qu'il a, mon gosse. It's normal, he's so big in the combinaison. Oh, bah, because him, non. Lui, pas big. Lui, big de fou. Il a l'air boursouflé comme ça du visage. Il se fait piquer par des abeilles. Respire. Respire.
Ok, top. Sacha, à tout. Merci. Vas-y, ça va. Is the first time for him? Two? First time? First time, oui. First time, ouais, c'est pas la peine de engager une conversation forcément. Hein. Ah, non, 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 problème. T'as craqué, hein. Non, mais j'ai essayé un truc. J'ai tenté un bail. Ouais, mais arrête ça. Hein. J'arrête. Ça me voilà tout le monde. Hein. J'arrête. Bon, Sacha. Il est où Sacha? Il est là, putain. Incroyable. Mais frère, c'est magnifique. Oh, c'est fou ce qu'il est en train de faire. Si, mon regard, là. Mais pourquoi il fait croire? Il fait des papouilles aux... Il fait des papouilles aux poissons. Il panique complet. Ok, il a dit... Mais c'est le moniteur. C'était le moniteur depuis tout à l'heure. Pourquoi il fait des papouilles aux poissons? Ah ouais, t'es malade, t'es malade du requin. Mais non, mais là ça me fait paniquer parce que je vois pas Sacha. Là je crois que c'est le... Je crois qu'il est là Sacha, frère. Ah non. Okay. Have you seen that place? Don't move, don't see him. That's for you. No, I see for you. Yeah. Okay. Ah oui, j'adore. Oh, il y a Sacha. Ah, il va péter. Oh, on dirait une ex que j'avais. C'est vrai. Je te jure, elle avait une tête comme ça, frère. Ça m'angoisse rien. Ça, je passe à côté de ça, je suis un peu angoissé, frère. Oh putain, il est en train de se faire bouffer le cul là. Il y a des poissons qui sont en train de bouffer, frère. Il se fait lécher le cul par des tombes. Mais ça, c'est la classe, hein. Mais comme dans la vraie vie. Ça y est, il remonte dans la cage. Hein. Sacha libérable. Waouh! Oh là là! Perfect! Sa mère! Oh! Oui! Putain, mais non, mais vas-y, nique ta mère, j'arrive pas à faire une photo avec elle, je m'en fous. C'est comme une meuf qui te fait galérer pendant des mois, celle-là. Elle est là, tourne autour dès que tu viens vers elle, elle se barre. On connaît ça. Toute ma vie, j'ai connu ça. Connasse. Mon requin était à 2 cm de moi. Ouais. Les frères, je voyais ses dents. Il est resté comme ça. Incroyable. Je suis frappé, frère, à 2 mètres du requin. C'était pas prévu. Il m'a dit surtout que tu bouges pas, tu fais aucun mouvement. Il est là. Ça va, Sacha? Ouais, ouais. D'accord, un petit alors coup, quoi. C'est vrai? Bravo, frère. Notre meilleur. Félicitations. Défi réussi. Bravo, un plus. Un plus. Notre meilleur prochain gars, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez peur du noir? Non, pas peur du noir. Non. Est-ce que ça vous ferait chier de dormir une nuit sur un lac? Sur un lac. Ça y est. Apparemment, oui. Oui, c'est bien ça. Ça, c'est bien. Allez, C'est pas toi, c'est forcément. Hein. Oui, c'est pas ça. Pourquoi tu te réagis comme ça? Si, c'est On dort comment? C'est genre. Fait comme on est dans l'eau, du lac et on est comme ça. Alors, justement, tu connais mes passions pour le paddle?
Sur un paddle. Non, c'est impossible sur un paddle, on va tomber. On danse sur un paddle. Si, si, c'est possible, c'est large un paddle, gros. Mais ça tangue et tout. Ça tangue pas, t'es pas en mer. Bah, tu prends un strepsil, c'est pour les mal de mer. Ça peut couler un paddle. Mais c'est pile le principe de l'objet, c'est que c'est pour l'eau. C'est un bon gage, mais vas-y, ça me casse les couilles. Mais c'est pas toi qui l'as pris encore, si. Ça va être moi. Oh. Bah, allez, tiens, on est sur ce truc là. Qui c'est qui va dormir sur un paddle? Qui veut commencer là? Moi, ça y est. Vas-y, Sacha. Ça va, t'as pas mal. Ok. Ok, c'est vraiment cela que j'ai envie de moins se faire. Oh non! En vrai, t'es deg? Hein? Un peu deg. Bah, c'est excitant de faire, mon frère. Bon, allez, là, on est arrivé au lac. Tu stresses un peu ou pas? Ben, ça il m'angoisse un peu ce. À gauche là? Oui. La barrière, elle est fermée. Normalement, on peut l'ouvrir celle-là. C'est illégal! Hein? Illégal! Arrête! On coupe ça au montage! On m'a dit, quand j'ai parlé de ce gage autour de moi, on m'a dit, dans les lacs il y a des sciures. Tu sais ce que c'est une sciure, Benji? C'est la couleur bleu ciel. Non, ça c'est scillant, Benji. Ah. C'est des énormes poissons-chats de 2 mètres, 2 mètres. Poisson-chat? Oh! Il est minuit. Je pense que le temps qu'on s'installe, le temps qu'on commence, etc., qu'on mette tout en place, il va facile être une heure et demie. Et je pars pas du lac tant qu'il n'y a pas un petit rayon de soleil qui a fait la surface. C'est ça, Marceau? Les sangliers de ouf, les frères. Hein? Où? Là. De quoi? Les sangliers de malade. Non, mais c'est ton reflet, c'est ton reflet dans la vie. Mais non. Ah oui? Benji, ils vont t'adopter. Ah, mais ils se barrent en courant. Oh non, ils sont trop mignons. Bon, on se fout là. Est-ce que je pars du ponton? Ou est-ce que je pars de la petite plage là? Du ponton. Mais le ponton, ça veut dire qu'il faut que je saute sur le paddle. Et là, je peux tomber d'entrée. Si, j'ai l'impression que tu crois que ton paddle, c'est un peu un T3, genre. J'ai peur, ça, je commence à être un peu stressé. J'ai un peu envie de chier, un peu envie de faire caca. Vous en avez sûrement entendu parler, il y a un jeune qui s'est suicidé ici avec son scooter. Parfois, on entend quelqu'un crier la nuit. Et apparemment, ce serait lui qui. Après, ça, c'est des légendes. Mais là, c'est comme la Dame Blanche et. Dis pas ça, ça le fout, va. Mais c'est des mythes. C'est comme la Dame Blanche ou Bouzigouloum dans Adibou qui vient manger le plat. Bon, il est immense. Mais frère, tu sais que là, c'est pour moi, c'est une nuit basique, hein. Oh non, c'est vraiment étroit. Marceau, c'est étroit de fou. Marceau, t'es un enculé avec tes gages de merde. Mais bien sûr, je découvre, j'ai jamais fait de paddle de ma vie. Ça arrange à rien, ça avance pas le travail du tout. Quand tu fais 3 coups sur un petit ballon, un grand ballon de baudruche, tu fais. Il a déjà pris une forme. C'est un ballon de baudruche? C'est un grand ballon de baudruche! Je suis fatigué. Fais au moins 47 coups. 47? Ouais. 46. 4. T'arrêtes pas, t'es un bon rythme. T'es heureux. Mais c'est bon, 47, tu m'as dit? Bah vas-y, viens sur ça, là. Là c'est bon, ouais. Il y a cette pression là, je pense. Mais je vais couler, Marceau. Mais grand fou, faut qu'il soit dur comme du pays. Grand fou. Frère, t'es large. Mais pousse-toi, Tolfé, tu m'empêches de gonfler. Non, tu m'empêches pas. Okay. Attends, arrête. Aïe. Ouais, regarde, t'es là, il faut arriver à 15. Mais genre, elle est pas grande. Ça fait quoi ça? Oh, mais Sacha! Mais Sacha, il se dégonfle. C'est drôle. Non, mais Sacha! T'as vu Sacha? Non, ça dégonfle. T'as vu comment tu fais? J'ai pas fait exprès. T'as pas fait exprès? T'es à 4. Et faut que tu montes à 12, je pense. Et pourquoi faire? C'est déjà dur comme de l'acier. Non, mais non. Oh, je vais avoir froid par contre, frère. Hein. Bon. Merci. J'ai peur de fou. Arrête de faire tanguy, frère. Non, Marceau. J'ai pas d'équilibre, Marceau. Arrêtez! Let's go, Gilsy. Ok. Là, je pose le paddle. T'es un beau gosse. Je m'en fous du physique. T'es un beau gosse. Ça fait plaisir, ça. Arrête. Oh. Attends. Oh, ça va, non? Non, ça va pas trop. Non, c'est horrible. Oh. Je pense que je tombe à un moment. C'est impossible. Oh. Non, mais c'est impossible. Les gars, je pense que c'est pas faisable, je crois. Je peux pas bouger d'un iota. Tu veux que je te pousse un petit peu? Putain, mais je vois rien, j'aurais dû mettre le flash par là. Non, je vois rien. Je suis fuck. Les gars, je vois rien. Ah, mais je suis pas loin. Mais comment j'avance? Marceau, je tourne en rond là. Oh, c'est glacé, j'aurais pas dû. J'arrive pas, regarde, je fais ça, je tourne. Mets-toi sur les genoux et pagaie. Jamais de la vie, je ferais ça. Sacha, tu sais comment je vais jamais le faire? Donc pour avancer, tu plonges droit la truc. Ok, je vois. Voilà, là t'avances plus. Mais ça tourne, Marceau. Ok, je me casse. Les gars, j'y vais, c'est bon. Je commence à prendre mes marques.
Oh, c'est fou, non? Bon, allez, les frères. Tu fais des mouvements, mais y'a rien qui bouge là. C'est vrai, j'ai vraiment le sentiment de bouger. Il n'avance pas, il fait le geste, mais ça avance pas. Hein? Attendez, je vais essayer de me mettre sur les genoux. Oula. Ah. Et t'as vu, il est presque dans l'eau, genre. Les gars, y'a aucune balle de mon côté. Non, mouiller le paddle, ça va être désagréable. Ah là 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 là. Ah là 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 là. Oui, bébé, allez. Oui, oui, allez, oui. Allez. Ok, ok, ok. Oh non, j'ai rentré une flaque de fou. Les gars, je suis trempède. Trempède. Marceau, c'est plus simple si je me mets debout là. Ouais, ouais. C'est vrai. Non, 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 Marcelin. Allez, vite, vite. Il y a des sûrs, il y a des sûrs. C'est sûr, c'est sûr. C'est bon, je me pose là, non? Nous, on va dans la voiture alors. Attends, bah restez à la voiture, partez pas, hein. Oui. À tout à l'heure. À toutes. Prends soin de toi. Merci. Tu te sens comment là? Je suis en hyperventilation. Vas-y, voiture, les gars. Putain, je suis trempé, frère. Va te caler dans les bateaux. Oh non. Ah ouais? Bah, pour pas bouger. Je me cale là? Ouais. Tu peux l'attacher, il a pas de corde, putain. Tu peux pas jouer avec la pagaie pour t'attacher, un truc comme ça? Avec les cordes devant. Putain, mais là c'est MacGyver ce que tu me demandes. Ouais, on y va, frérot. Restez là. Bisous, mon gars. On va regarder Squid Game. Qu'est-ce qu'il y a? Ça s'annonce vraiment, vraiment compliqué pour dormir. Parce que regardez, là, là je suis au max. Là, donc en gros, c'est la largeur de mes épaules, ce putain de paddle. Ce que j'ai fait, c'est que la lanière, le petit cordon de mon sac, je l'ai accroché. Ah ça. Je suis dans une ambiance là, je sais pas si vous voyez, il fait nuit noire. On va faire une extinction des feux. Je vais essayer de dormir quand même au max. Là j'ai... Sacha ! Sacha ! Il y a un canard là pas loin. Arrête ! Putain mais il me saccage ma nuit. Arrêtez ! Ah ! Non non, ça tape le bois là ! Aïe 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 aïe. Les gars, c'est très près, là. Là, hé, la vie de ma mère. Attendez, je finisse mon gage. Un par un, je vous foudroie la gueule. Mais hé, Sacha, c'est près de fou. Oui, il est bien lancé, celui-là. Non, non, Sacha, c'est archi près de ma tête. Ok. Je vais tomber. Non, touche-le si t'as un homme. Ouah, ouah, ouah. T'entends ce canard, là? Peut-être que t'es sur leur territoire, hein. Mais c'est sûr. Et vous êtes en train de les canarder. On canarde les canards. Ouais, il est vénère, il est vénère. C'est bon, toi, ferme ta gueule. Tu crois que tu vas faire peur à qui? Ils arrivent en groupe. Ils arrivent, ils se rapprochent. Sacha, je crois qu'ils viennent vers moi. Y'a un petit bol là. Voilà, ça. Mais ils vont m'attaquer, frère. Ils sont allés chercher des renforts, je crois. Ah, mais là, ils sont pas contents, frère. Tu sais qu'ils se rapprochent vraiment là. Ouais, je me barre. Ah, il vient vers moi. Sacha, je me fais attaquer par des canards. La vie de ma mère, les canards, ils veulent me faire. Je vais me faire attaquer par Daffy Duck, là. Putain, mais je vais jamais dormir. La vie de ma mère que je ferme pas l'œil de la nuit. Putain, mais en fait, si il y a les canards qui m'attaquent la nuit, et eux, ils me canardent avec des cailloux, je vais finir par couiner, moi, ce soir, hein, avec ces conneries-là. Pas de réseau là, putain. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Chiale. Qu'est-ce que je fais? Oh non! Oh non! 4h12. Putain, le bateau il s'est détaché. Oh j'ai la pagaie sur les bateaux. J'ai posé ma baquée. Ma patte. Ah! Ah! Ok.
Ok. C'est pas mal là, comment je suis en train de me déplacer. On dirait un indigène. Il y a une bouée. Là, il y a un fil. Un peu de vent, je me fais valdinguer la gueule et je m'éclate contre ce bateau là. Je m'éclate, j'abuse, je cogne. Oh merde, putain. C'est incroyable. Le petit jour se lève. J'en peux plus d'être sur ce putain de paddle, j'en peux plus de cogner cette bouée là. C'est... Ça y est, frère. J'ai passé la nuit à partir dans tous les sens. Oh non, j'ai entendu un canard. Oui, il m'appelle. Allô ? Ouais. Ouais, il fait jour, hein, les frères, là ? Ouais, c'est bon, je pense. Mais il faut faire les plans de drone, juste, non ? Bah là, Benji, il envoie le drone et je me pars de cet enfer. J'ai réussi. Incroyable, je suis incroyable. Oui. Putain, la chance, c'est un défi réussi déjà. Prochain gage, vous aimez l'humour ? Ça, on adore. Vous êtes grande fan de H ? Oui. Jamel Debbouze ? Oui. Le Jamel Comedy Club, ça vous dit quelque chose ? Exact. Non, vous faites un sketch devant un grand public qui ne devra pas rire, les gars. Interdit. Le public est briefé pour Paris. Il sera briefé. Ils auront pas. Et là, tu dois faire un sketch. Ouais. Ils auront les. Toutes tes vannes, elles vont bider. Vas-y. Allez-y, maître. Foutez-nous ces balles dans la tempe, une bonne fois pour toutes. Qui veut commencer ? Moi, encore. Je fais tomber le verre d'eau. Sans que t'es chiant. Oh, ça me fait peur. Ça m'angoisse pour votre plus. Je peux te charger. Pourquoi c'est quoi qui te stresse ? C'est le sketch ou qui rigole pas ? C'est... Non, ça va passer devant des gens, ça va. Le beat, c'est une peur totale dans ma vie. Attends. Oh ! Non, mais ça pète les couilles. Il va être moche et pas drôle. Moi, je fais pas drôle. Parce que c'est maintenant, mais t'as un pire. Chauve, un bide. Putain, mes frères, ça casse les couilles. Yo les gars, donc petit topo. Là, on va chez Sigil. Il est au courant de rien, c'est-à-dire qu'il sait pas du tout quel jour il doit faire le one man show. Du coup, là, j'arrive chez lui. Il s'attend pas du tout à me voir. On va lui bander les yeux, mettre des stories pour qu'il y ait du public et il va devoir improviser quelque chose. Appel en cours, en communication. Oui, c'est Jules, c'est Charlotte. Je viens chercher les affaires de Marceau. Je sais pas si t'as prévenu. Non, il m'a pas prévenu. Ah. Mais vas-y, je t'ouvre. Merci. Porte ouverte. On est dans le endgame maintenant. Quoi ? Ah non, c'est le grand jour, c'est Jill. Non, c'est le jour du spectacle. Jour. Oui. Non, mais t'avais. Si, si. Je me disais, c'est chelou que Marceau n'avait pas prévu. Ouais, c'était bizarre. Non, c'est maintenant là, on l'a ? Non, on te laisse une heure, juste je te confisque ton portable. Pourquoi ? Pendant une heure. Pas de question. C'est à quelle heure ? On va partir dans une heure. Comme ça, tu peux taffer un peu encore. Putain, j'étais pas dedans du tout là. Tu stresses ? Bah oui, à mort. Y'a du monde ? T'as vu la salle ? Oh non. On a envie de se mettre en moyenne, il va me charger. Ah, je suis tétanisé. Mais quel rapport avec le téléphone ? Je peux garder mon texte pour aller faire le spectacle. Ah, parce que t'as ton texte dessus ? Non, j'ai pas de texte, j'ai pas préparé. C'est Sacha la prod, tu sais, faut pas trop chercher. Du coup, on part dans moins d'une heure ? Ouais. Il faudrait que je te bande les yeux. Quoi ? Ouais. Pourquoi ? Sacha. Jilsi, j'ai besoin de ton tel. Va falloir que tu me mettes ton mot de passe. Pourquoi ? Dis-moi pourquoi. Je peux pas te dire. Vous allez dans quelle appli ? Je peux pas te dire. La tête de la mer, t'auras pas mon Je peux pas faire grand chose. Je peux faire grand chose sur ton téléphone. Vous êtes trop vicieux, vous pouvez faire n'importe quoi. Vous allez commencer à foutre des stories, des trucs, je ne sais pas quoi. Vous allez remplir la salle avec mon compte. Non. Je crois que je vous vois. Je vais m'étouffer, je crois que je vous vois pas venir. Je vais voir mes stories sur Insta. C'est pas une story Insta. Je vais voir mon compte Insta sur le dehors.
T'as pas le droit, t'as le droit de rien faire. Marceau, donne-moi une info. Frère, mets-moi à l'aise un petit peu, moi je te mets à l'aise toujours sur les trucs. Je suis pas à l'aise, Marceau. Tu veux une petite info? Oui. C'est le Stade de France. Ta mère. Vas-y. C'est bon? Tout droit. Attends. Mais si moi vous tournez le Skype? Tout droit, j'ai dit tout droit. C'est quoi, c'est le fromage, c'est le fromage. Allez, vas-y, tout droit. Vas-y. Il y a personne qui me tient la main. Tout droit. Non, mais attends, c'est moi qui me casse la gueule. Ah, ouais, j'ai le contrôle sur rien. Mais je te tiens, arrête de te toucher. Marceau, j'ai pas le contrôle, tu me connais, je déteste ça. Arrête de te toucher, juste. Mais j'ai pas de cogner, frère. Tu m'envoies le... C'est toi qui m'envoies le fromage en pleine gueule depuis 10 minutes. Arrête. Mais attends, mais vous êtes garé à Bordeaux. La vie de ma mère prochaine, je t'envoie une tarte. Comme ça, là. Elle arrive comme ça. Vas-y, tout droit, tout droit. Vas-y, tout droit. Ah, il y a une voiture, comment ça, tout droit? Tu lui mets la ceinture? Oh, le gros bébé cadeau. Je déteste tout ce qui se passe. T'es attaché? Oui, connasse. Non, Louvix. Ok les amis, c'est dit, il arrive dans 7 minutes. Il va descendre par là. Et quand il arrive, je veux zéro bruit. Même pas d'applaudissements, on le regarde. Si vous pensez que vous allez rigoler, mettez votre masque. Vous ne le regardez pas. Tous les eye contact avec lui, il faut qu'il soit que des ondes négatives. Ok? Donc il se sente pas bien. Ok, il arrive dans 7 minutes. Merci. Là on s'enfonce tout droit dans le centre-ville, ça veut dire si on a tourné ni à droite ni à gauche, là, c'est qu'on s'enfonce vers le centre-ville. Donc ça veut dire qu'on est au centre-ville. On est pas sur le périphérique, même si elle roule à la même allure. Là, Marceau, j'arrive, je commence le sketch. J'ai pas un petit côté loge, un petit peu. Amine lui aussi représente la scène bruxelloise. J'arrive pas à me repérer. Aïe. Mais frère, mais excuse-nous, Schumacher là. Les gars, si à un moment il vous prend à partie, un de vous tous, genre il essaie de vous vanner ou de vous clasher ou quoi que ce soit, vous répondez rien. Vous vous regardez droit dans les yeux et vraiment stoïque le plus possible. C'est justement il va essayer de vous clasher ou quoi pour essayer de trouver un peu de réconfort, mais faut pas que ça marche. Un scooter sur le périph, allez, d'accord. Allez, c'est bon, on est en ville. Vas-y, on descend. Faut courir là. Comment, mais comment ça fait? Vas-y, viens, tiens. Ton vélo marche très très loin. Marceau, allez, arrête de freiner. Marceau, je peux pas faire ça. Allez, Marceau, je peux pas, ouais. Non, Marceau, je peux pas. Si. Allez, attends, j'ai une poubelle. Attends, je te pute. Attention, Marceau, non, la vie de ma mère me fait mal. Il y a rien de plus dangereux que ça. Tu veux acheter un protège dents? Ok, bon frère. Sacha, c'est la pire prod là. Je vis un cauchemar. Dites-moi, je fais quoi là, putain? C'est quoi? Ah putain. C'est un petit bisou. Dites-moi la paix. Dites-moi qu'il y a une marche là, putain. Attends, bouge pas. Bonjour. Il y a la salle là. Non. Ah, c'est bonjour. Bonjour. Non, arrête. Je peux faire ça. Sacha, tu veux pas faire ça. Mais attends, mais je suis en train de me faire kidnapper premier degré, il y a même plus de vanne. Attends, bouge pas, là, il marche. J'arrive pas sur ce compte, Sacha, tu veux pas. Hop là, tu le prends, lui. Ouais. Bouffe un peu, frère, t'en auras besoin. Fromage français, comme d'hab depuis le début, heureusement qu'ils sont là. Pas ça bouffe, pas ça bouffe. J'ai besoin de plus de reconfort. Vas-y, enlève, frère, c'est bon, tu peux enlever. C'est comment là? C'est comment là? J'ai l'impression de me faire kidnapper premier degré, Sacha. T'as eu la scène? C'est la scène en dessous là? Du coup, du clim. Du clim, t'as mangé la petite. Sacha, il y a du monde ou pas? T'as mangé le clim. Ok, reste l'acide. Là, je comprends, j'arrive. On descend. Et dans 20 secondes, c'est bon. Tu peux descendre dans 20 secondes. Bonne chance, frère. Sa mère. Il y a trop de monde. C'est horrible. C'est pas rire, c'est pas... Vous pouvez sourire. C'est terrible, on se cache. Ok. Bonjour à tous. C'est même pas interactif, quoi. Faut me dire bonjour, c'est interactif, peut-être, non? Bonjour. Aïe. Ok. Tu t'appelles comment? Il y a forcément le dernier de la file, il va arrêter de tourner la tête parce qu'après il y a un mur. Ah, il y a vraiment tout le monde qui tourne la tête jusqu'à là-bas quoi. L'escalier va pas tourner la tête.
non plus. D'accord. Je me retrouve dans une position très, très délicate. Dans la vie, j'ai 5 anecdotes de secours. On va direct aller au fait, c'est une anecdote courte, assez sympa. Ça, frérot. J'avais 16 ans, d'accord. Ils tirent tous la gueule. Attends, faut que je m'y fasse. Ok. J'avais 16 ans, ok. Et je rentrais dans l'adolescence, etc. C'était quelque chose d'assez nouveau pour moi, un peu tout ce qui touche au sexuel et tout et tout. C'est pas dans le gage qui se coule, le frérot. Et du coup, j'étais dans la salle de bain, etc. Il était un peu tard, il était genre, je sais pas, 3-4 heures du matin. Et 16 ans, 3-4 heures du matin, tout seul dans la salle de bain. Je me dis, je vais commencer à mastiquer. Donc je fais mes trucs, voilà, comme un adolescent de 16 ans qui fait ses trucs, etc. Et en fait, moi, il était 3-4 heures du matin, donc je me dis, il n'y a pas trop de risques. Normalement, les gens dorment, machin et tout, parce que j'habitais chez mes parents, bien évidemment. Donc je me nettoie. Je vais pas vous mimer, on n'est pas non plus sur un spectacle de mime. Hein? N'est-ce pas? Thibaut, sur son tel. Je suis en train de me nettoyer et tout, et j'entends juste ce petit bruit-là. Je lève ma tête, et je vois la porte de la salle de bain entrouverte comme ça. Je fixe du noir, et là je commence à... Un peu comme là, je vois pas trop, mais du coup quand je fais ça sur la lampe, je vois ce qui se passe, tu vois. Et là, j'aperçois un visage, mais dans la pénombre. Tu vois, j'aperçois un truc entre le noir et le blanc. Pas sûr que ce soit un montage, celle-là, je vais pas vous mentir, ça peut peut-être pas passer. C'est vraiment pas le moment pour moi physiquement de vivre quelque chose de paranormal. Je suis pas en posture pour affronter, par exemple, un fantôme. Et je continue de plonger mes yeux dans le noir, et là, je reconnais le visage de ma mère. Donc tu vois, là, je vois le visage de ma mère, et je me dis, putain, ma mère est morte, c'est devenu un fantôme. Chiant, mais au moins, pour l'instant, safe, parce qu'un vrai humain vivant ne m'a pas vu. Et là, j'entends, mais qu'est-ce que tu fais? Je me dis, bof, là, le niveau mort, bof. Je pense qu'il y a moyen qu'il y ait encore de la vie dans ce corps. De ma grosse daronne, hein, je le rappelle. Et donc là, machin et tout. Donc là, je reste comme ça. Donc moi, je vous rappelle, entièrement nu, comme as. Et je la regarde, et elle me regarde, et je vois qu'elle est nue aussi. Non, ça non, elle est pas nue. Elle est pas nue. Et du coup, là, je ferme la porte. Le lendemain, j'essaie de désamorcer la situation. Et je vais la voir, je lui dis, ouais, maman, et tout, ça va, et tout. Elle me dit, ouais, tranquille, et tout. Et je dis, ouais, elle est grande. Ou bof, du coup. Et elle me dit, quoi? En tout cas, merci à tous d'être venus. Je ne sais pas comment ils s'y sont pris pour vous faire venir. Je ne sais pas où on est exactement. J'espère que vous avez passé normalement une bonne soirée. J'ai l'impression que ça vous fait plaisir quand même de me voir. En vrai. Hein? Incroyable quoi. Il est là, en face de nous, sur scène. T'étais dans ton lit là? Il va falloir décider à faire quelque chose, frérot, dans sa vie. Hein, parce que 20h, je ne sais pas si tu dormais. Peut-être qu'ils sont sortis du lit. Et là, my fault, comme on dit en argentin, mais c'est pas le même dialecte. Si là vous étiez dans un rôle, bien joué. Si vous n'étiez pas dans un rôle, coup dur. Mais vous attendez pas à me voir à la fin, parce que mine de rien, je l'ai pris perso, ce qui est en train de se passer. Ok, c'est bon, bravo. Non, c'était horrible. Oh, c'était horrible. Ah mais là, l'hôpital, enfin, tu vas crever là. Ah, ça c'était horrible. Attends, faut qu'il valide. Qui valide quoi? Ah oui, ouais, mais trop meilleur, faut qu'il valide le gage là. Bah valide-moi ça que... Je sais pas, c'est validé ou pas? Ah oui. C'est validé? On a rincé le petit club, hein. Merci. Yes! Yes! Bah voilà, merci beaucoup en tout cas, merci beaucoup. Ah, j'ai vécu le pire moment de ma vie. C'était horrible. Ah, ça marche là? comme dans les concerts. Et là, ils le font pas. Non. Et s'il vous plaît, des applaudissements pour le théâtre, je sais pas où on est. Le citron bleu. Merci beaucoup. J'ai vécu l'enfer. L'enfer. Ah, celui-là, c'est mon petit préféré. J'aimerais. Attends, mais tu disais à chaque gars, je marche. C'est tes préférés? Ils sont tous bien. Saut à l'élastique. Déjà, c'est pas mal. Ouais, ça se fait. C'est trop pur. En Suisse, ouais, vous avez aimé la Suisse? Vous êtes déjà allé en Suisse? Je suis horloger. À temps perdu. Attends, mais en Suisse, quoi? Pourquoi en Suisse, y'a quoi? Parce que c'est le plus haut du monde en chute libre. C'est combien de mètres? 200 millions. 200 millions de mètres? C'est 227 mètres, les gars. Je veux tomber sur ce gage. Non, je veux, tu veux? Je veux. C'est incroyable ce gage. C'est un kiff.
C'est des malades. J'ai un kiff. Moi j'ai pas peur, mais je suis trop chaud de le faire. J'ai peur, sa mère. J'ai celle qui fait le plus peur. Il a les larmes aux yeux. J'ai peur. Chant, ça tombe sur toi. Mireille, il est vraiment. Oh là là. Ça me fait trop peur. Vraiment. Pour les deux. Oh frérot. T'en supplie. Ah oui. Tu comprends comment il va, frère. Et gros, c'est fou, mais à chaque relais truc, ton cœur il fait pop. Non, mais lui, c'est abusé. Non, mais c'est toi, Benji. C'est pas toi. C'est lui, 100%. Oh, là, c'est toi, frère. Alors là, si c'est pas toi. La mouille. Ah oui. Non. Yes. Ça va être aussi. Non. Sacha. Je suis désolé, je voulais que ça soit Benji à la base. J'ai trop peur. Benjamin. C'est lui, il a pas peur. Et moi que j'ai Sacha, peur. On va aller faire un seul élastique. Tu vas sauter, c'est incroyable. Tu vas avoir la sensation non, est folle. Non. Tu vas kiffer. Tu vas kiffer. Mec, tu vas devenir un yo-yo humain. Marceau, t'as tapé fort de fou. C'est vraiment sa phobie, le vide comme ça et tout. Oui, t'as je voulais que ça tombe sur Benji. Ah c'est trop bien. Non, j'avais pleuré. C'est gérant et chiant. Tu vas kiffer. Tu vas kiffer. Ah, c'est incroyable, Marceau. T'as été chaud sur les gages. C'est incroyable, gros. Et maintenant, on y va. Mais gros, tu vas chialer là. Il a les yeux rouges, attends, regarde la canne. Il chiale, tu chiales comme une merde. Ok les amis, on est en Suisse, au barrage. Vescalas, Sacha est tétanisé depuis hier soir. Y a pas tellement de blagues du côté de Sacha. Sacha, tu vas le faire le saut, t'inquiète. On va voir, mais frère, toi tu l'aurais même pas fait. Moi je le veux tranquille, frère. Je veux avoir cette voix comme ça, adjacente. Qu'est-ce qu'il y a avant un coup dur? Du fromtard, les frérots, un petit croc. Alors là, je suis vraiment prenant. Un petit croc pour le Sachou. Mais t'as enlevé le plastique? Bah oui, fromage français, ça donne des forces, ça réconforte. C'est bon pour le Benjos. Mais frérot, on a dit. Frère. Sacha, un petit croc dans le fromage avant de sauter. Ça va réconforter, t'es sûr? Mais ça, mais frère, tu me poses la question? Mange un petit coup. On a pris des forces, on s'est réconforté. C'est parti pour le saut. Let's go, baby. L'attention, elle est palpable, les frères. On est arrivé devant le plus haut saut à l'élastique en chute libre du monde. Et c'est le troisième plus haut saut en hauteur du monde. Frère, je suis sûr. Le stress du. Sacha, il j'aime est au bout. Du bout. C'est ça. Ils vont sauter d'ici, là. J'ai jamais vu Sacha comme ça de ma vie, je vous le dis. Ça va le faire, frère. Ça va le faire, frérot. Ça va le faire, frère. Ça va le faire, tu vas le faire. Tu vas le faire. Là. Je vais pas vous mentir que j'ai un peu peur pour Sacha. Pas, non pas qu'il se passe quoi que ce soit, mais genre, ça me fait stresser parce que je sais que c'est sa phobie. Phobie. Et malheureusement, c'est tombé sur lui, quoi. Ça serait tombé sur moi, alors, rigueur. Ça fait peur, mais bon. Ouais. C'est bon? C'est quand même ouf. C'est haut de sa mère. Je suis pas bien pour le Sacha, le pauvre, il est vraiment mal. Depuis hier, genre, je fais le mec, ouais, c'est pas haut. Moi, je l'aurais fait, mais la vie de mec, je le fais pas. Je vous jure, je le fais pas. Mais en vrai, je le fais pas, frère. T'es malade ou quoi? Regarde ça, frère. Ça va être très, très compliqué, frère. Hein? Ça va être très, très compliqué. Mais Sacha, ça va, la vue, elle est belle. Mais la vue, elle est belle, t'es mal, les cailloux. Hein? T'es mal à la hauteur. Mais arrête, toi, je suis à la cachée. Vous êtes des fous, vous. Mais frère, t'as commencé dur, frère. Hein? T'as commencé. Oh. Mais je le saute direct, frère. Je fais pas. Je flippe quand même ma race. Bien sûr, mais genre. Mais à un point, genre. On va dire que j'étais à 4 milliards, je suis à 3 milliards, voilà, c'est juste ça qui change. Écoute, t'inquiète. Non, j'arrête. Faut que je saute. 250 balles le saut quand même. 250 balles, il me dit non, je saute pas. Allez. Comment ça? Eh les gars, je saute, frère. Moi, je sais que tu vas le faire. Tu vas le faire, c'est 100% sûr. Là, je te vois, je te connais, frère. Oh la vie de ma mère. C'est incroyable, frère. Tu vas faire ça. Je suis à 10, frère. Arrête. La vie de ma mère, frère, je suis désolé.
Je suis à 1 mètre. J'espère qu'il va y être. Hein? Allez! Ça, tu vas te régaler. C'est la régalade, assurée. Je vais te chialer. Regarde, tu vas voir, ça va être incroyable. Ça fait peur, t'auras peur, mais frère, la sensation! Incroyable. Tu vas le faire, frère, tu vas le faire. Tu vas le faire, tout le monde ici. Tu sais que tu peux te combattre. Tu peux combattre tes peurs, allez, allez. Tu peux combattre ton appréhension, tu peux combattre ce putain de vide qui, au final, va être que du bénéfice pour toi. Je que le du bouffer, je vais le bouffer. Tu vas le bouffer, frère. Ah, c'est la partie papier, ça fait peur. Ni pas trop. Dans tous les cas, ça va. Je dis tout, hein. C'est quoi ça? On recule pas. Que des numéros 10. Dans ma team, mal. Dans ma team, frérot, on recule pas. Let's go. Ah, c'est le moment le plus angoissant, final. Ah oui. On est plus proche de 100, là. Ah oui, ça commence. Ça commence, ça commence à être sympa, les 100, là. Du coup, je vais avant sauter. Je vous explique la situation pour l'instant. Bon, Sacha, c'est Sacha qui a chopé le gage, donc Sacha doit sauter quoi, coûte que coûte. Et pour le kiff, on avait dit, bah, on va mettre Maître Moyard, Marceau, on va le faire sauter aussi. Il était chaud pour le faire, etc. Et depuis des mois maintenant que c'est préparé, il devait le faire, il doit le faire. Mais là, Sacha ne sait pas. Marceau m'a dit que coûte, il ne sautera pas. Et Sacha ne le sait pas parce que ça l'aide à y aller. Mais Sacha ne sait pas qu'il est tout seul à sauter. C'est ça le truc. Mais du coup, on fait tout de manière à ce que Sacha pense que Marceau va sauter, notamment bah, l'arnacher et tous ces trucs-là. Et on est un poil vicieux, je vais pas vous mentir. Allez, allez, allez. Vas-y frérot, c'est ton moment, c'est pour toi. Ça. Allez Sacha. Frérot, c'est ton moment, c'est parti. C'est un guerrier les frères. Quand je vous dis à quel point il a peur de ça, et que ça fait des mois hein, qu'on a pris condamnation sur cette vidéo. Allez Sacha! Allez vraiment oui! Ça va la pute! Allez vraiment oui! 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 Ouais! Allez Sacha! Wouh! Oui mon gars, oui! Il a fait... Moi oh mon frère, ça fait trop peur. Oh mon dieu. On est un bonhomme frère, on a peur, faut y aller. Courage. Je l'ai fait les frères, oui. Ça fait 3 mois que je me pisse dessus frère. Déjà frère t'es trop fort. Mais comment ça je fais 98 kilos? Déjà une. Déjà. Et vraiment t'as pas sauté, t'es littéralement tombé du tout. Oh quel bonheur frère, quel bonheur. Oui. Le certificat est ici, Sacha, je te remets ton certificat de saut. Merci Maître Moyard. Incroyable. Incroyable. Bon, mesdames et messieurs, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Nous, à l'heure où on tourne du coup cette fin de vidéo, bah vous avez tout vu, mais nous, on va aller tourner tout cet enfer. Le Sach. Le Sacha, il est dépité. Regardez. Il pourra rien dire, Maître Moyard, sur vidéo Roulette Russe 3. En mode, ouais, la précédente, t'as pas eu des gros gages. Là, rien à dire. J'espère que cette vidéo vous a plu, d'accord. Là, on va aller tourner tout ça en route vers le calvaire. Mais arrêtez avec ce putain de bob. Il va niquer ma mère. Il est fou. Il va niquer ma mère. Bon, encore une fois, Maître Moyard a fait des ravages. Maître Moyard nous a foutu dans une sacrée sauce. Vous connaissez le dicton bien évidemment. J'ai sourire, enlève donc j'ai sourire. Pourquoi t'es désagréable H24? Parce que tu m'as niqué la gueule. Mais il fallait mieux tirer. Au nez. C'est bon. Mais Sacha, frère. C'est bon, Maître Moyard, c'est bon. C'est bon. Arrête. Doucement. Oula, regarde, arrête. Oh, fils de pute, t'as fait une bouteille d'eau. Moi, j'ai rien fait, frère. Arrête. J'espère que cette partie 2 vous aura plu comme elle nous a...
Bon, c'est un grand mot. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Merci à vous pour toute la force, pour tout l'engouement à chaque fois autour de nos trucs. On est aux anges grâce à vous. Et c'est grâce à vous qu'on peut faire des gros conseils comme ça, des gros projets comme ça. Merci beaucoup à vous. Et bien sûr, vous connaissez le dicton, Maître Moyard, la vie de ma mère, on va te fumer. A bientôt pour une partie 3, peut-être. Oh, t'as cassé l'appareil? Ben non, pile pas, ça filme.